I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it, or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Cry of Fear, la dernière ligne droite avant la fin. Et ben j'ai repris là directement. Alors, j'ai un peu changé mon inventaire. Hop. C'est un peu différent. Vu que cette fois-ci, j'ai le magnum. Bon. Petit souci avec le magnum, c'est que malheureusement, il se tient à deux mains. Donc du coup, je peux pas l'équiper avec la lampe. Voilà. Donc j'ai fait ce dilemme parce que bah, je pouvais pas récupérer finalement le shotgun. Étant donné que, bah, vu qu'on avait battu le boss, c'était considéré comme une autre map. Et ben du coup je pouvais pas récupérer les armes de la map précédente. Je pouvais même pas retourner dans le sous-sol. Même pas récupérer d'ailleurs l'autre flingue. Du coup ben je suis resté avec le même flingue. Ok, alors ce que je vais faire. Je crois que je l'ai eu. Ah, par contre, le temps de rechargement, il est long. Hop. Donc, du coup, je vais pas mal utiliser le magnum. Comme ça, je pourrais le laisser et mieux utiliser mon flingue avec la lampe. Alors, ici, il y avait rien, il me semble. Tac, 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 tac. Rien du tout. Cette serre ne pièce à rien. Bien sûr, cette pièce ne sert à rien. Donc, commençons ici. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en finir avec le revolver. Hop. On va faire un peu la luminosité pour que je puisse voir quelque chose, quand même. Hop. Je vais jeter ce flingue. Ça va être simple. Regarde. Il y a un gars là-bas. Ah, ça c'est cleaner que vous voyez en bas à droite. Ok. Hop là, t'es mort, t'es mouru. C'est pas ça. Tac, kill weed, tac. Un autre. Allez, un autre. Ah oui, j'avais oublié ce passage. C'est vrai qu'il y a un passage sous les eaux. Ce courrier. Putain. Finalement ce sera... Enfin je pourrais pas récupérer les soins finalement. Et merde. Bon ben, on va se débrouiller avec. Wow. Wait. Merde, 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 merde. Oh putain, on regagne de la vie. Ok. On regagne la vie perdue par le noyau. Ouf. Ok, restons.
c'est... de surface, voilà. Hop, reprends ton souffle. Hop. L'air frais en haut. S'il vous plaît, laissez-moi remonter. Dommage qu'on n'ait pas une lampe sous-marine, ça nous aiderait un peu mieux, je pense. Allez, c'est reparti pour un autre tour. Ok, on va respirer encore un peu. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir... Merde. Allez. Putain, mais... Monte ! Mais il est con ! Ils vont me le tuer comme ça ! Je vais mourir à la noyade, je vous jure. Oh putain, oui. Oh putain, oui. Oh mon dieu, merci beaucoup. Ah ! Ah ! Non. Inventaire. Wait, what? J'ai pas bien tout compris. Ok, je peux retomber facilement. Okay. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dropper ça. Plus besoin. À quoi ça sert ce que je récupérais, j'en sais rien. Les phases sous-marines maintenant dans les jeux vidéo. Ça fait plusieurs let's play que je dis, mais je déteste les phases sous l'eau. Dans tous les jeux vidéo, je déteste les phases où il y a de l'eau dedans. Ok. S'il y avait un élément que je voudrais que je veux absolument pas dans un jeu vidéo, c'est l'eau. L'eau, c'est le mal. L'eau, c'est... c'est par où? Par là. Ok. J'ai perdu un temps monstre. Pas grave. Je vais cracher un peu. Ouais, c'est bon. Ok. L'eau dans les jeux vidéo, pour moi, c'est une horreur. Ça tombe bien, on est dans un jeu d'horreur. Ah! 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 Allez, prends ton souffle, mon gars. Enfin, moi qui pensais pouvoir tracer tranquillement vers la fin, eh ben non, je me retrouve bloqué encore une fois dans l'eau. Dans l'eau. Wait, je me trouve où? Ah. Wait. C'est par là que je dois aller? Non.
Wait. What? J'ai ramassé une clé. Et à quoi elle me sert cette clé? Est-ce que je dois aller par là? Non. Ah, ok, je reviens. Ce serait mieux éclairé sous l'eau. Je dirais pas, mais là, je suis obligé de pousser à fond. Ok, j'ai découvert où est-ce qu'il fallait aller. Donc, il faut retourner sous l'eau, effectivement. Et il y avait un passage que je n'avais pas vu, en fait. Un passage que je n'avais pas vu sous l'eau et qui menait à un endroit où il y avait une porte verrouillée. Ok. On va se grouiller. J'ai suffisamment perdu de temps comme ça. Et cette fois-ci, je remets le timer. Hop. Bon. Allez. Merde. Merde, mais... Allez, grouille! Putain! Mais voilà paumé. Voilà. Hop. Du coup, par là. Il monte, bordel. Pourquoi il faut être aussi petit? Ah. Ok, c'est dans cette direction. Est-ce que c'est dans cette direction qu'il faut aller? Ou bien il y a un autre? Non, il y a. Ok, on va reprendre un peu d'air. On y retourne. Dépêche de monter. Ah. Il y avait des soins avant. Je sais pas si je vais les récupérer. Hein. Franchement, je vais pas les récupérer. Hein. Je vais les laisser pourrir. Oh putain! Ok. Donc, normalement, ici, il y a trois passages, et c'est ce passage-là qu'on va prendre. Voir si je me trompe pas. Voilà. Hop, et normalement, on atterrit dans une salle avec... Voilà. Bon. Et au cas où, je pourrais retourner là-dedans pour récupérer la soie. Hop là. Voilà. Allez, monte. Les oiseaux, le soleil, c'est tout ce que je demande. Ok? C'est tout. Revolver, ok. C'est pas bougé. Pas de soucis. Je m'en contre le fou. Ah! Bon, ben maintenant. Go visiter, hein. Oh oui! Shotgun. Avec 9 balles. Et je vais mettre en 2. Apparemment, il devrait rester des monstres en ville. Restons vigilants. Ça
C'est paraître tout beau, tout joli comme ça, tout innocent. Mais en fait, ça cache beaucoup plus de... que ce que vous croyez. Revolver, revolver. Seringue. Ça, plus besoin. Seringue, maintenant. Et seringue que je vais mettre sur 3. Allez, allez les monstres. Putain. Ah, m'a bien destroy le gars. Mais c'est pas grave. Voilà. Il m'a bien destroy. Je m'y attendais pas. Ma faute. Ok. Prendre ça pour l'instant. Toi t'es mort. Putain, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus. Plus vu celui-là. T'es mort. Ok. C'est pas bougé. Marteau. Pourquoi un marteau? Pourquoi on aurait besoin d'un marteau? Expliquez-moi. Est-ce que c'est l'arme? Est-ce que ce serait l'arme, le marteau, ou bien c'est... Oh, parce que j'ai pas beaucoup... Ouais, c'est l'arme. On va garder la mitraillette. Quoique non, non, si on a besoin du marteau, ça veut dire... c'est vrai qu'on peut défoncer des trucs avec. Hop. Et pour l'instant... Gardez ça avec moi. Non, ça marche pas. Ah! Ok. Je me suis laissé un peu surprendre. Pas grave. D'accord. Pas dropper ça. Non, plutôt ça. Le lit volant. Il est où? Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont? Je ne les vois absolument pas. Ah! Ok, et l'autre il est où? Montre-toi! Montre-toi! Allez! Je sais que t'es là! Je sais que vous êtes là! Vous mes pieds tous! Sans dès que je meurs, c'est ça? Vous êtes tous ma mort! Allez. Allez. Mais what? Mais what? Ok.
Ok, bon. Ben voici, ouais. Désolé, j'étais un peu concentré. À ne pas mourir. C'est pas mal à ce qui paraît. Mais bon. Alors. Ici. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Est-ce que c'est sombre comme endroit? Plutôt, ouais. Drop. On va dropper ça là. Tac. J'ai le wheel. What? C'est quoi cette connerie? Ok. Drop. Je suis bien d'accord que c'était sombre avant. Ah bah voilà! Ah bah je préfère. Fallait me le dire. Hop. Où est-ce qu'on va maintenant? On doit rentrer chez nous. On devrait y être presque. Allez. Putain, mais pourquoi on n'a pas de meilleur inventaire d'ailleurs? Ça me tue ça par contre. On est un inventaire de merde comme ça. Putain, c'est de la merde comme je viens de le dire. Allez, je vais recharger. C'est vrai, je peux recharger sans perdre de munitions avec cette arme là. Ça c'est bien. Finally home. Ah! I hope mom's okay. Ah, bah voilà! On est revenu à la maison. C'est trop génial! Pas un point de sauvegarde. Point de sauvegarde. Allez! Petit point de sauvegarde quand même. À la maison. Quand même. Un petit point de sauvegarde à la maison. Mom! Vu que l'enregistrement était super long, j'ai coupé la vidéo en deux, donc du coup la prochaine partie sera la toute dernière. Et voici un petit extrait pour vous mettre une petite mise en bouche. Men! Et ouais, de la rage. Qui l'eût cru? Enfin bon, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Merci encore et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!